Tout commence par le choc. La vérité brutale et insoutenable qui t'arrache les tripes. Comprendre que je ne te verrai jamais plus. Puis le déni. Refuser d'entendre, de parler, de comprendre. Me dire que tu vas réapparaître devant moi. Me sourire. Et que tout redeviendra comme avant. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'à chaque fois que je regarde quelque part, je vois un signe de ce qui était, de ce qui aurait pu être. Comme une envie de se foutre la tronche dans un mur. De passer ce putain de monde au lance-flammes. De me dire que s'il y a quelqu'un au-dessus, il va m'entendre prier et hurler dans le vide. Il va me laisser une seconde chance. Que je ferai mieux. J'ai pitié de moi. Pourtant, je marchande quand même. Mais j'ai rien d'autre à offrir en échange. Et la tristesse se pointe. À son tour. Avec son cortège de souffrance et ses questions usées jusqu'à la trame. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Puis je me rappelle qu'il n'y a pas de justice. Que s'il y a quelqu'un au-dessus, c'est juste un type qui joue avec une loupe au-dessus d'une colonie de fourmis, en se fendant la gueule. Alors je remets à nouveau le couteau dans la plaie, et je me rappelle de tout. Tout le bon, en tout cas. Pour faire un peu de place au désespoir. Alors j'ai abandonné le combat. Parce que j'ai su que je ne pouvais plus rien faire. Et que t'étais parti pour de bon. Et l'histoire revient en entier. Et tu acceptes que c'est un tout. Que tout n'était pas rose, et doux, et apaisé. Et qu'il y avait beaucoup trop d'ombre pour qu'elle ne finisse pas par nous engloutir tous les deux. Cela étant, tu n'aurais jamais dû voler mon travail. Alors j'ai enfin fini par écouter mes proches. Et je me suis décidé. Pour de bon.